accepter. On va finir ça un peu. Non, mais chaque événement. Il se prépare et moi faut que je fasse là-bas. Ok, il l'a fait là. Qu'est-ce que tu veux faire?
Parce qu'on est bien
c'est le meilleur cumulatif, les meilleurs cumulatifs qui se rendent vers la grande finale de jeudi à Paris. Donc, dans la première présence de notre carreau, il y a 9,9 pour Pauline Mousseau. Très belle position. Quand le carreau, un gros déjà sur le second, c'est très bon. Donc, si réussit ce soir, une deuxième prestation réussie va s'amener avec un très bon cumulatif, peut-être un meilleur cumulatif même depuis le début de l'Oroneo pour se positionner vers la finale de dimanche après-midi. Combien de sous on surveille, donc dès après suite dans les entre les dents, c'est avec celle-ci que le carreau va tenter d'attacher les trois pattes de son au sol, ça s'est gâté un peu. On a perdu le 13 secondes. On termine le tout avec un 13,9 cumulatif de 23,8. On a quand même pas mal de choix de monde. Excellent. Et on va se avec Antoine et le 7. Son jumeau, le numéro de Paris. Il va être bon à faire. Donc, on s'en met vrai. On sait ça, c'est dans l'infantry. En tout cas, il y a 5 à 5 de général numéro 86. 7. C'est ce qu'il faut.
crier le bot de fruits. Non, non, pas la poignée de rouge jusqu'à la poignée de la sellette tout au long du 8 secondes réglementaire. Donc, aura un pointage à tout bas. Je vais aller avec un certain pommage. Mais, quand même, une bonne montée, c'est bon. Il y a le deuxième pointage pour notre gamin de 68, 68 points pour notre gamin. Et dans ce coutrige du côté de cette discipline de la vente des chevaux avec celle de plus vite, le gamin de Vélez. Exactement. Donc, en voyant cette fois-ci, c'était dans le deuxième intercalde. On va voir la différence de mouvement des jambes pointent de l'épaule jusqu'à la ligne de scène tout au long du 8 secondes pour notre cowboy. Le tout de premier, Austin Stewart, cowboy qui décide du côté de Marlowe au premier mois. Et Julien Monture de la Rahan Radio Company. Plus bas, on a beaucoup de blessures, je pense, à l'intérieur des chevaux.
jeu. On est à moi, je suis bien placé. Puis, que tu sois bien prêt pour la sortie. Et rappelons pour ceux qui aiment de savoir que les billets moitié-moitié, on vous invite que les gens sont actuellement dans les estrades. On a vu un montant de plus de 12 000, 15 000 $ avant l'occasion d'être gagné dans l'aréna, dans les derniers rodeos. On se commence par, je sais ce que je fais avec les estrades. Le caméraman est là-bas, le caméraman. 5 000 $ je savais ce que je fais. On vous encourage à aller les acheter. Depuis, on va rappeler un monsieur qui aimerait avoir un look complètement crunchy. On vous invite à visiter notre boutique officielle du Festival Western de Saint-Tierre.